Les amis, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la première vidéo prank que je fais sur ma chaîne YouTube. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Rien que pour ça, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo. C'est juste ici, lâchez votre plus gros pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos prank assez sympathiques. Car aujourd'hui, on se retrouve pour un prank. On va pranker Pikachu, les amis. Actuellement, comme vous voyez juste derrière, il y a sa PS. Actuellement, la PS5 est ici, mais en principe, elle devrait se trouver chez Pikachu. Car tu vois, actuellement, il a besoin de sa PS5. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je vais lui faire croire que je la vends sur le bon coin, les amis. J'ai tout mis en œuvre. J'ai vraiment mis une vraie annonce comme quoi je vendais la PS5. Et directement, j'ai rendez-vous ce soir. Là, actuellement, je suis au local et je dois aller chez lui ce soir. Donc, c'est pour ça, les amis, que quand il va rentrer chez lui, il ne verra pas sa PS5. Et là, je lui dirai que je l'ai vendue sur le bon coin. Et je pense qu'il va péter un câble, les amis. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous avez d'autres idées de prank que je pourrais faire à Pika. Et puis voilà, on va commencer ce petit prank. Et puis, c'est parti, les amis. Bon alors là les amis, on est actuellement chez Pikachu. Il y a Manon avec moi, ça sera ma complice parce que simplement, ouais, elle est actuellement en train de faire le ménage. Pikachu n'est pas encore là. Il est allé chez son père, il est sur le chemin du retour. Il sera là d'ici 20 minutes. Donc ça me laisse un peu le temps de préparer un peu ce beau prank. Et puis voilà, on a tout manigancé les amis, regardez-moi ça. Actuellement vous voyez sur mon téléphone, j'ai carrément mis une annonce sur le bon coin comme quoi je vendais sa PlayStation à 1€. Et en fait on a simulé une fausse discussion avec Manon comme quoi on l'avait déjà vendu, comme quoi la PS5 est partie. Et là je pense qu'il va se vénère. Est-ce que vous êtes prêts les amis pour qu'on commence ce joli prank? Et ben on va attendre Pika et on va attendre qu'il arrive. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que je crois qu'il va se vénère? Ouais, je pense. Surtout au prix où tu l'as vendu, tu vas lui dire? Ouais. Bref, on attend Pika et puis bon visionnage les potes. T'es prête? Hey you! Hey! Ça va ou quoi? Ah, tu es là toi? Bah oui, tu dois pas tourner une vidéo. Tu m'as pas dit que tu veux tourner une vidéo ce soir? Bon, ça va, je te l'avoue, je couche avec lui. Non, rien! Ah oui, le truc du... Ouais, mais je vais pas le faire, c'est bon, les vidéos de nourriture, ça marche. Ça, tu m'as fait venir pour rien pour le ça soir. Fait une demi-heure, tu vois. On mange ensemble. Check boy. Dans ma check boy. Check mon père boy. Est arrivé, il m'a checké mon père. Je ne peux pas avec le permis, toi. Check boy, check boy, check boy, check boy. Oui, 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 tu m'as pas vu? Ma pounette! Ouais, papa! Oh, il saute dessus! Oui, papa, ça fait longtemps que tu l'as pas vu! Oh, oui, il saute dessus! Il va lui pisser dessus! Koufi, ma fifi! Ma fifi! Là, on peut changer de. Ah, elle me viole! Oh, c'est du viol! Du viol! Du vol à l'arraché! Du viol! Oh, encore comme elle est. Oh, bon, bon! Oh! Oh, elle va, où elle va! Oh, elle me pisse son cul dessus! Ah. Bon, c'est bon, j'ai récupéré le truc, j'ai laissé dans le camion le genre d'échelle là, un petit escabeau comme ça pour enlever les trucs en haut. Et voilà. Oh. Vous avez fait quoi de ma play? Je peux tarder à y aller, moi. Vous avez fait quoi de ma play? De quoi ta play? Bah, pourquoi elle est plus là-bas? Pourquoi maintenant, genre, tu fais du regard, toi? Genre. Tu regardes mon chien? Non. Vous avez fait quoi de ma play? Mais quelle play? Bah, ma play Louis Vuitton, ma foi, la Louis Vuitton là! Ça fait longtemps qu'elle est plus là? Ça fait un moment qu'elle est plus là, mec! Réveille-toi! Hein. Bah, elle est où? Attends, il a vraiment rien remarqué depuis une semaine? Non. Bah, c'est pas une semaine, je l'ai vu avant de chier. Ah non. Ah bon? Bah, non, ça fait pas une semaine, ça fait une semaine qu'elle est. Là. Quelle quoi? Quelle quoi? Je l'ai vendue. Elle est où ma play? Je l'ai vendue. Tu l'as vendue où? Sur le bon coin. Mais pourquoi? Parce que j'avais vu. J'ai besoin de thunes. Oh, mytho. Enfin, le prix que j'ai vendu, j'ai pas besoin de thunes. Bah, elle est où ma play? Je l'ai vendu. Dis, devine à combien il l'a vendu. Devine. Bah, tu vas être trop content. Mais il l'a pas vendu. Si. Bah, si, il l'a vendu. Bah, pourquoi j'aurais vendu ma play? Parce que je voulais faire une expérience sociale de vendre une play. Moi, la mienne, tu vois, elle était en or. Je pouvais pas la vendre. Tandis que toi, ben. Tu sais, je te l'avais prêté, tu l'avais customisé en 8 ans. J'ai dit, celle-là, on va pouvoir la vendre. Tu vois, je voulais faire, tu sais, je vends une PlayStation 5 à 1€. Quoi? Et du coup j'ai vendu la tienne, après tu... Et t'as tourné une vidéo pour ça? Et tu l'as vendu? Oui. Mais pourquoi tu as vendu la mienne?
Pourquoi t'as vendu la tienne? Bah de base c'était la mienne, puis après je te l'ai passé. Quoi? Mais non, mais non, moi je t'ai dit, tu me passes celle-là, comme ça elle c'est la mienne, et celle que j'irai chercher à Micromania, après je te la passe. Ouais, mais celle-là je l'attends depuis 3 mois. Bah ouais, bah excuse-moi, je suis allé le lendemain à Micromania et ils n'ont toujours pas. Moi je voulais faire mon concept. Eh ben tu aurais pris la tienne, ma foi. Ouais. Ou sinon tu aurais. J'en sais rien moi, pourquoi t'as vendu la mienne? T'es sérieux là? Elle est partie super vite, genre à peine je l'ai mise, genre une heure après. Mais t'es un mytho, et mon compte, tu as déconnecté mon compte? Et mon GTA et ma sauvegarde? Le mec, et toi t'as dit oui toi? Bah non, je sais pas, j'ai dit c'est vos histoires. Bah ouais, mais c'est mes histoires, regarde. Bah ouais, bah t'aurais pu. Mais non, mais t'es une pute. Vas-y, je te dis que je l'ai vendu. Livraison à partir de 10€, quel arnaqueur. En plus, la livraison, elle a même pas payé, c'est la meuf qui est venue la chercher pour son gosse. Si tu veux, regarde, il y a même, regarde, j'ai la discussion si tu veux. Bonjour, elle est toujours dispo, bonjour, oui. Et en bon état, oui, elle est neuve. Pourquoi elle est bleue? C'est une série limitée. Non, c'est juste nous qu'on l'a au custom. Ça s'enlève facilement. Oui, c'est du petit Jeep. Ah oui. Mais t'es con. D'accord, vous avez mis 1€, c'est le prix exact, pas une arnaque, non, c'est bien 1€. Vous êtes de Marseille, oui, à côté. Je suis disponible maintenant si vous voulez. Ah d'accord. Quelle est votre adresse? D'ici 30. Mais je te dis, je vais vendre. Sur Marseille. Elle est venue, ça faisait un peu de peine, genre. Qu'est-ce que tu racontes toi? Au moins on a fait un concept de. Enfin j'ai fait un concept de vidéo où au moins il y a un gamin qui est content, tu vois. N'importe quoi, mais vous, sérieux, vous avez vendu ma play? En plus Louis Vuitton, vous avez pas pu. Ah, garder. T'as mis une heure à la faire. Et bien alors vous avez pas pu au moins garder mes cash, et parfois depuis le début elle était comme ça. Vous vendez mes plays comme ça, vous. Mais c'est pas ta play, c'est la mienne de base. Bah, tu aurais pas pu vendre la tienne de chez toi? Mais non, elle est en or. Mais tu vas vendre une PlayStation en or. Elle est unique, toi Louis Vuitton, elle était un peu mal faite en plus. Donc tu racontes, elle était bien faite. Elle était mal faite. Tout le monde qui la voyait. C'était plutôt un Louis Vuitton qu'un Louis Vuitton, tu vois. C'est quoi? Plutôt un Louis Vuitton que Louis Vuitton. Et toi, ta play en or là, que je sais même pas quoi, elle est. Bah, je la garde, je m'en sers. En plus, tu t'en sers même pas. Mais c'est pas grave, ça fait une semaine, c'est comme ça, tu t'en étais même pas rendu. Bah ouais, et ma play, ça fait pas une semaine, c'est pas vrai, ma play, vous l'avez pas rendue, je sais que c'est pas vrai, elle était là avant cher. Si ça te fait plaisir, cherche, oh là là. Je t'ai dit, en plus, on avait parlé que je voulais faire un concept il y a longtemps, dès que j'avais reçu ma Play 5 en avant. J'ai dit, viens, je fais un concept où je la vends à 1€. Bah ouais, mais pas la mienne, moi j'avais dit. Mais c'est pas la tienne, c'est la mienne cette Play. Mais non, mais on avait dit que tu me passais celle-là. Arrête de t'approprier comme ça. Mais ta gueule, toi. Moi j'ai dit, on s'est arrangé comme quand même. Mais bon, de toute façon, elle est plus là, tu vas faire quoi? Aller sonner chez la femme, la récupérer, lui dire rendez-vous, elle se rend 1€. Bah non, c'est bon, je m'en bats les couilles. Je vais récupérer la mienne. Bah, c'est quoi le truc? Bah, lui, à qui tu l'as passé? C'est quoi son nom? Genre là, tu vas aller sonner chez la personne et tu vas lui reprendre. Bah, je veux dire, au moins, elle me repasse mes caches Louis Vuitton et qu'elle se déconnecte et que après je vais lui reprendre. Je lui arrache. T'es malade? Bah, vas-y, tu veux l'adresse? Ouais. Je te le donne. Donne la brosse de mon chien, s'il te plaît. Ouais, tu sais. Merci. Bah, c'est bon, j'y suis pour rien, elle habite dans le sky. Non, bon, alors pas du tout, c'est mon chien. Si je me taille d'ici, mon chien est une fille. Vas-y, je vais t'envoyer l'adresse, tu vas le chercher maintenant. C'est toi qui aime ma femme à moi, ma petite femme. Bah, ouais, c'est la mienne. Eux, ils pensent qu'à eux, tu as vu, ils me donnent des trucs, et après ils les revendent. Super, les potes, ta main, il a tout, il doit tout avoir. Tu m'as plus que chez moi. Enfin, moi, j'aurais honte d'aller chercher une PlayStation qu'on a donné à un gamin, quoi. Donc, ça, c'est l'adresse du local, ça, tu as pas fait l'adresse. Ouais, justement. Bah quoi? Tu l'as vendu à quelqu'un au local? Hein? Tu l'as vendu à qui au local? Ben, tu me dis donne-moi l'adresse, où est la PS5? Bah, je te donne l'adresse. Bah, c'est à l'autre local. Bah oui, à l'autre local alors. Eh ben, du coup, tu l'as pas vendu à quelqu'un. Mais ben non! En plus, elle est cramée, regarde! T'as deux caméras! Eh oui, monsieur! Eh oui! Eh, ça, c'est bon! Et en plus, il s'y attend tellement pas! Moi, je me suis dit, vous l'avez vendu avec un cœur, elle nous m'a appelé, surtout que ça aurait pu être possible parce que. Ben, moi, je t'ai pas passé l'autre play, mais je me suis dit, ah là. Ah, vous, tu t'y attendais pas que je pouvais te faire un prank, moi? Ouais, Pierre, c'est le mec qui dit, genre, ouais, les pranks, nanana, genre, en fait, il essaie de faire une esquive comme ça quand il fait un prank, oui! Ouais, mon pote! Ouais, ma poule.
Souris à YouTube. Souris à YouTube. Regarde, ouais, toi, tu souris pas, y'a qu'à ma fille que je souris à ma fille. C'est un prank. Je suis les potes. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous voulez d'autres idées de prank, parce que moi je suis chaud avec ça. Franchement, je crois que j'ai l'âme d'un prankeur professionnel. Tu vois ce que je veux dire? N'hésitez pas à me donner une note sur 10 que je pourrais faire. Tu veux te battre? Tu veux te battre ou quoi? Tu veux te battre? Bref les amis, on va se laisser sur cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez un petit pouce bleu en bas de cette vidéo qui est juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Peut-être un nouveau prank, on sait pas, peut-être dans les prochains jours. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Allez, salut.